J'ai gradué à Thiès, j'ai étudié à Thiès, police maïs. Après mon bac, je suis allé à l'université comme étudiant, comme tout un élève du lycée. Après mes études, je suis le chef de service de l'administration du HLM du personnel. Donc, vu comment marche le pays, je me suis dit que je vais essayer de rassembler une partie de mon quartier et des certaines personnes dans les autres quartiers pour essayer de créer un mouvement en l'appelant l'Union. Et le but de ce mouvement, c'est d'associer tout le monde. Être derrière les leaders qui ont été choisis par son excellence Moussa Macky Sall, les accompagner pour élire le président de la République, son excellence le président Macky Sall, le 24 juillet 2019 au premier tour. C'est ce qui a fait que aujourd'hui, on avait pris la date du 22 pour le lancement des activités. Nous n'arrêtons pas là parce que nous avons prévu dans deux semaines une journée de consultation gratuite, de dépistage du cancer de sein, dépistage du col de l'utérus, don de médicaments et même distribuer des lunettes à des gens qui ont des problèmes de vision. Donc nous sommes derrière les leaders que le président a choisi. En l'occurrence, monsieur le DG de la Poste, qui était notre parrain, madame Ndaye Tike Ndiaye, DG de l'ANAM, qui était notre marraine bandienne, et monsieur Charles Ensis, DG de la Solde, qui est notre invité de l'ANAM. C'est ce qui a fait que nous nous sommes réunis pour continuer nos activités. Juste même au-delà des élections, toujours pour soutenir son excellence, le président de la République. Mais juste pour soutenir le président, vous appelez Nounia, alors que tout le monde ne peut pas être forcément soutenu de Macky Sall. Non, je le sais. Si vous savez pourquoi nous avons choisi ce moment-là, ce qui me plaît beaucoup, il y a un juge qui m'a demandé, mais pourquoi vous avez choisi Nounia pendant que vous êtes là-bas? Si vous prononcez le nom, vous êtes là-bas. Donc j'invite tout le monde à venir. À venir travailler pour le pays, à venir contribuer pour un Sénégal émergent, comme l'a dit son effet. Vous voulez convaincre les gens avec quel argument des arguments politiques? Le bilan que vous avez vu. Vous, journalistes, des fois vous voyez quelque chose que nous ne voyons pas. Mais vous avez vu que le président de la République a un bilan. Un bilan que personne d'autre ne peut présenter devant les yeux des Sénégalais. Donc vous avez vu, avant-hier, on a inauguré. Qu'est-ce qui a été inauguré? Il a pris. Donc, nous n'avons que le bilan pour aller vers les élections. Et espérons, nous avons parrainé, mais nous allons voter pour que le président de la République gagne les élections au premier tour. Très, très politique. Vous venez au moment où on est à quelques années de la présidentielle. À Thiès, qu'est-ce que vous pouvez dire au moment de Thiès? D'accord, il y a un monsieur qui m'a interpellé. Il me demande monsieur, est-ce que ce n'est pas trop tard? Moi, rien n'est tard. L'essentiel, c'est de contribuer au développement du pays. Thiès, nous le savons. Thiès, c'est un peu corsé, comme l'a dit certaines personnes. Il y a des ténors, surtout dans notre quartier. Il y a on l'appelle la localité des ministres, parce que nous avons, vous le savez plus que nous, c'est le quartier Randoulet-Sud, en face du cimetière Madoki, qui est notre grand-père. Donc, vous savez, il y a des gens qui vous disent à Dakar, monsieur, vous habitez le quartier des ministres, comment vous allez faire pour convaincre les gens, pour qu'ils viennent vers vous? Donc, je leur dirai aujourd'hui de regarder la salle des H-Pas. Je suis un homme qui a été créé. 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 Je suis un hom
Avec l'aide de nos parents, de notre famille, de nos connaissances, et je remercie tous les Thiessois. Nous sommes nous sommes tous les Thiessois. Bo gisé ñun ñep dañ ko def no xamni bo gisé ñun ñep dañ ko tuddé ñun ñep parce que slogan bi dañu bëgg lo xamni bu tuddu baat bobu rek yow li lay ñëk frappé moy man ba bokkuma ci bi motax ñu tan baat bobu té baat bobu yeen en tant que journaliste bu len ko liré xam ñi amna solo parce que ñun ñep bolo ngi ci bi ñun ñep jamm ngi ci bi ñun ñep jamm ngi ci bi bo gisé suñu slogan bi ñaari loxo yu andando la am récipient bu ci téggé am lu cey sotti am lu ko mur ci suuf ñu def dignité ak partage dañu am suñu dignité té luñu am dañ ko bokk liñ ci bëgg rek bu jakarlo baat bobu rek am lu mëna jox am noko xalaati ñepp duñu mëna bokk mais bëgg nañu ku xalaat rek wala ku dugg rek wala ku tuddu mo bi rek da nga defé ni yow yaang ci bi non ñun liñu am ci nit ñi ak liñu jotté gis ci ay nit ñi ba ñu commencé mois de mars ba légui ñoo ngi sant yalla parce que toujours ñu gis luñu ko ko ne gis toujours ni gis luñu yaakaru won waaw di sant rek ci soi moy suñu ba te mom lañu bëgg mu daan te mom lañu ñaanal mu daan te mom lañu jappalé suñu bokk suñu xam suñu am di jamm mu daan inshallah te lepp ci plan lañu ko ñu tek ci bilan nak yeen dur len fof sen baram ngeen xol ñu tek ci bilan barki dem lu gudd ci bilan quoi kon lolu doyna firnde.